arrête à droite, on a dit. Qu'est-ce que tu veux? C'est trop ça. Salaud. J'imagine le regard de... Qu'est-ce que tu me fais là? Vas-y, avance. Et nous voici au Safari Zoo de Thoiry. Alors non, malheureusement, nous n'avons pas pris l'avion pour aller en Afrique. Mais on a ça à proximité de Paris, alors on en profite. Bon, est-ce que maintenant, la voiture va survivre? C'est une autre histoire. Non, je n'arrête, on s'arrête pas. Non, il y a des bêtes à cornes. C'est mignon leur... Il y en a un qui s'est mis dans les fourrés, j'ai pas envie de... On sort pas. Deux fourrés, c'est le point de dire. Mais c'est quoi, 15 km/h maximum. Tu roules sur les deux fils. Ça me rappelle Animal Kingdom, ça. Elles sont pas électrifiées. En même temps, j'ai pas les roues pour Gaël. Mais quand même. Ils font des câlins. Mignon. Ils sont grandes. Et sur votre gauche, vous avez les zèbres. On va mettre... fermé, ce n'est pas facile. Hein. Curieuse. Vous venez pas attaquer la voiture parce que je vous connais, vous. Voilà, on va pas rester là. On va éviter de l'énerver. Tu cours aussi plus vite que ta bagnole. Elle avait pas l'air de bon poil, la madame. Qui arrive, attaque. On va pas attaquer la voiture, mais on va se mettre devant. Bon bah les gros animaux sont pas là, c'est dommage. Il y a de la marmotte.
C'est beau quand même. Ouais. Je kifferais en faire un en Afrique. Ah, c'est les éléphants, ils sont là-haut. Non, c'est parti rentrer. Il a envie de jouer là. Bon appétit, mesdames. Il y a un monsieur aussi. Monsieur aussi, oui. C'est bon de les voir d'aussi près. Je connais la voiture. Oh bébé chef. Alors, bravo. Regardez-moi comment ils sont tout mignons, tout le petit bébé. On a de la chance, c'est l'heure du repas. Bah justement. Alors eux c'est bizarre parce qu'ils sont ils sont pas en liberté. Aussi ils le sont en quelque sorte, c'est juste qu'ils sautent hein. Elles sont bien. Elles mastiquent tous au même moment, t'as vu? Grave. Mes animaux ordonnés. Il y a les autres, il y a les autruches qui nous attendent de pied ferme là-haut. Je pense que celle qui est isolée, elle doit avoir quelque chose. Elles aussi, elles sont posées. Ah, c'est l'heure de manger, là. C'est l'heure de siester, ouais. Eh ben... Elles ont un peu le regard de minette hein, quand même. Fais gaffe en face. Des fois il me fait penser à un oiseau. Roule tranquillement. Ouais, surtout que ça reste des autruches, j'ai pas confiance. Des os doux, t'as pas une pointe. Parce que t'en as partout. Bon appétit madame. Mmh.
J'avais la tête au chaud, qui me dérange? Bah, tu vois pas. Je peux pas te dire le nom de l'oiseau, mais. Ah, c'est un héron. Non, pas un héron. C'est pas un héron celui-là. Ah, c'est un cygne. Non. Alors, une grue, pardon. Voilà. Ah oh. C'est une grue, ouais. Je reste vigilant quand même avec le truc derrière. Hein. Ouais, ouais. Vous traversez pas. Hein. Je sais que c'est bientôt Noël, mais bon. Fais gaffe, parce qu'elles vont taper une pointe, on va pas savoir pourquoi. C'est vraiment le regard de. Mais pourquoi il s'arrête? En fin de compte, c'est pas nous qui visitons. Mes hippogloutons. On a de la chance d'être arrivé à 11h parce que du coup c'est l'heure du repas. T'as la chaleur que ça dégage. La chaleur que ça dégage. Bah, c'est surtout qu'ils étaient en plus dans l'eau juste avant, tu vois. Donc, c'est vrai, je suis étonné. Avec la buée. Je sais pas si tu me verras, parce qu'elle est trop. Ouais. La tache noire au fond. Mais elle est tout seule. Ils ont dû se cacher à l'intérieur, les autres. Je pense. Putain, les ours, ça a bien froid. C'est hyper. Ah oui, ça. Moi je trouve ça étonnant comment ils sont tranquilles quand même. Vous savez comment ils sont nourris sur votre bébé. Tu vois pas? Tu vois? Ah oui. On est en train de méditer. Regarde comme il est beau. Pas trop qu'il s'approche de la voiture parce que je pourrais lui faire peur. C'est pour ça que si jamais tu démarres au moment où il arrive, vas-y trop. Je pense qu'ils ont capté que c'est dangereux une voiture. Je pense surtout qu'ils reconnaissent. Et nous sommes au zoo de Thoiry, après le safari. On est là jusqu'à ce soir parce que nous allons voir les lumières sauvages, ou je sais plus comment ils s'appellent ici. Et t'as l'autre en dessous, enfin t'en as deux autres en dessous qui sont en PLS. T'as le meilleur monde pour Maïko ça. Vous jure. Pas question. Sans que deux. Sans que deux. C'est
Ah, c'est mort, tu les verras pas dehors. Ils sont à l'intérieur, je pense. Ouais, c'est ce qu'on a vu à l'intérieur. Le sac, il est là. C'est toi qui siffle comme ça. Putain, non, tu fais des cris d'oiseau. Il est là, là. Lui, j'aimerais pas qu'il me mette une droite. Oh, il va plutôt t'arracher les yeux. Saki, 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 blonde. Ah, il t'aime pas, hein. C'est lui qui est en train de... Ouais, ouais. Je veux pas dire, mais il suit Gaël, hein, du visage. Ils sont en train d'hiberner, je pense. C'est bien dans un terrier. C'était la petite blague. Il est super haut sur patte. Bah pareil, t'aimerais pas qu'il saute dessus lui. Ils ont un peu la tête des hyènes. C'est plutôt un grand renard. Il doit taper de sacrées pointes par contre. Là-bas. Parce qu'il va courser la pire. Mardi, il faut que tu le prennes un bain avec eux. C'est la première fois que je vois cette espèce. C'est un serpent rhinocéros. Et en plus, il se fond dans le décor. Regardez-moi ça. Vous avez deux espèces. Vous en avez un que j'ai perdu. Qui est là-haut. Et vous avez... Ah, ici. C'est quoi comme bestiole ici? Il est sur la grenouille. Il y a des grenouilles de tomates. Elles sont où? J'ai hâte de les voir. T'as le gecko géant de Madagascar. C'est celui qui s'amuse au plafond. Mais sa best life, lui. Et lui, essaye de se retourner pour nous voir. Et est-ce qu'il y a des grenouilles tomates, mais... Caméléon panthère. Pas trop vite. Bonsoir, on passe au prochain. Ah, Regardez-moi ça, la taille. Oh, elles sont deux, j'avais pas vu. Oui, tu mon petit. Ils se font dans la masse aussi, lui. Bon, vous verrez pas le deuxième qui est caché juste là. Vous verrez que l'arrière-train. J'ai même pas vu lui. Ça a dû être la partie préférée de Gaël, celle-ci. Ah ouais? Oh mon Dieu.
Et l'autre, elle doit être cachée dans sa toile, là, dans son nid. Brrr. Alors, ils sont deux, parce que j'étais en train de me dire, mais hein, son corps s'arrête quand ? Vous avez la tête qui est là. Et la deuxième, elle est là. Ils sont trop beaux. J'ai décidé souvent d'aller sur la feuille, mais la feuille est un peu dans le bruit. Il y en a un troisième. Hein. Ou un quatrième. Hein. Ça reprend. Ouais, encore plus. Putain, j'avais pas vu. On a pas du monde, celle-ci. Toi, au moins, t'es curieuse. Ta pote, elle s'est barrée. Bon, tu sais que je suis pas à manger quand même. Hein. Alors, c'est time for the lunch. Gaël, caché par son sac, est déjà en train de grignoter. Allez. C'est la deuxième prise. Frites, donuts, paquet de chips, San Pellegrino. Un repas diététique, t'as peur. Et un burger bœuf. 25 euros. Les burgers poulet pour ma sympa. T'as pris un dessin ou pas toi Gaël? T'as pris quoi? La puce elle a pris un éclair. On est pas à 4,59. Bon, et bah écoutez, pour un repas à 30 balles, hein, on va déguster. Bon Gaël a déjà commencé. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon. Après on n'est plus à 20 balles près après la bouffe qu'on a eue. Hein. Bah tiens justement, ça tombe bien, c'est l'heure du débrief de la bouffe Gaël. Je veux que tu commences la première parce que je sais que ton expérience était mémorable. Mon expérience était mémorable. Un burger de ouf, un dessert de ouf. Mamie s'est régalée. Ah là là, c'était incroyable et tellement intense. Très personnellement, je vous conseille fortement pas du tout ce restaurant. Après, non, très prenez des sandwichs. 21 balles, tu te rends compte de ça? Tu payes 9,90€ ton hamburger. C'est frites déjà, froide. Hein, merci beaucoup. Non, les frites elles étaient chaudes. Les frites étaient tièdes. Elles étaient tièdes. Mec, elles sont pas chaudes, elles sont tièdes. En bas compte, le truc c'est que c'est con, hein, mais t'arrives. Tu sais, tu vas payer dans un restaurant quand tu vas dans un zoo. Je suis la première à sortir la carte bancaire pour bouffer. Tout le monde le sait. Mais là par contre, le minimum c'est que ça soit chaud, surtout quand c'est dans un. Moi j'appelle ça un bin, mais c'est pas un bin qu'on appelle ça. C'est un réchaud, non? L'espèce de truc où ils ont mis les sandwichs. Ouais. Ok, très bien, merci mamie. Incroyable. Et non, je suis désolée, c'est trop cher pour sauter. Et ne prenez pas d'éclair au chocolat ou d'éclair au café. C'est congelé. Et c'est un profiterol au café. Voilà, exact. En mon cas. Et qu'est-ce qu'on t'a dit de faire du coup Ne tapez pas votre meilleur croc comme mamie dans l'éclair. Ah putain, ouais. Parce que pour le coup, j'ai eu du mal à le manger. Hein. C'était une crème glacée en fin de compte, je n'étais pas au courant. Donc je l'ai décongelé au micro-ondes. Déjà avec ses dents et après au micro-ondes. Voilà, elles ont tout résumé. Toi, t'as payé plus cher. Bon, moi j'ai pris 25 euros parce que j'ai pris un paquet de chips à 4 euros. Alors, elles sont. Quand on mange plusieurs, elles sont pas dégueulasses. Ouais, t'as payé combien Mais franchement, ça passe. Mais sinon, je pense qu'elle est en train de faire des grimaces derrière moi, la Miss Marnie. Hein. Sinon, ouais, le burger froid, enfin, c'est abusé parce que pour 10 balles le burger, et en plus, tu dois le réchauffer au micro-ondes. Allô. Moi, je l'ai pas réchauffé, je l'ai mangé froid, mais enfin, les petites mamies. Je les ai vus défiler
Omicron, hein, c'est compréhensible. Tu viens pour manger du chaud parce que c'est pas comme si on était en été. C'est notre faute, hein, on a pris le premier qui est arrivé. On a pris le seul qui était arrivé surtout. Je pense que même Marnie qui a pris au fond, c'était pas non plus tiède plus comme les frites. Enfin, faut dire ce qu'il y a. C'était très légèrement tiède. Ouais, très légèrement. Donc en été, ouais, manger un burger froid, ok, mais en hiver, non. Enfin. Donc 25 balles pour ça, désolé, hein, je vais le dire, mais je préfère aller bouffer un menu à 17 balles sans dessert à Disney. Hein. Au moins, les burgers seront chauds. Bon, mec, quesadilla, c'est encore moins cher. Comme ça. Ouais, j'aime pas, après ça fait... Ok, très bien. Voilà, bon, allez, en plus, c'était pas droit. On va continuer la visite, hein. On est là jusqu'à ce soir, à la tombée de la nuit. Incroyable, tu vois, Voilà. En sachant que Gaëlle, il va falloir lui trouver quelque chose à manger, parce qu'elle va avoir faim dans... 2 heures, exactement. Bon, on continue notre visite, et sur ce, à toutes. Ah, ils sont 3, quand même. Bah oui, ils sont 2. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. On les verra pas. Tout au bout là-haut. Ils sont en train de profiter du peu de soleil qu'il y a. C'est bien ce genre de passerelle surélevée. Hein. De... Je sais pas si vous les voyez du coup. Mais elles sont toutes là. Alors je sais pas si vous allez le voir parce qu'il va arriver le long de la forêt de bambou. Je tape ma pose, meilleur profil. De ouf. Il est trop beau. Il est en train de regarder le mec qui est tout en face. Enfin, tout il entend. Il disait, c'est quoi le bruit derrière? Oui, c'est grosse bête. Ah, la fumée qui se dégage quand il expire. Mal là, laisse tomber. Je
pense qu'il arrive en face de toi, tu dis d'accord. Non, déjà tu serais déjà parti si tu veux arriver. Après, si tu les enquiquines pas, ça reste des gentils. Ça dépend. Qu'est-ce qui enquiquine vraiment C'est très marrant cette distinction grise. Ouais. Bah, je pense que c'est son espace là pour manger. Parce que les autres, ils restent là-haut. Lui s'approche dangereusement. Peut-on parler des affreux gourmands qui sont carrément montés dans le truc de nourriture? La base. Bonjour. Leur vessie est au milieu, je suis choqué. Plus vrai? Ouais, ouais. Je suis désolé pour l'état des vitraux. C'est beau, hein, t'as vu? De ouf. Oh, tiens, il y en a deux. Eh bien. C'est assez creepy. De ouf. Kiki. Elle voit quelque chose qui bouge, mais elle se demande ce que c'est. De ouf. T'as l'air. Bon, les vitraux, wesh. Tu vois que ça n'a pas peur, non, ça n'a pas peur du vide, ça n'a pas peur des vitres, tu vois. Putain, les patous. C'est large, hein, t'as vu ça? Ah, de ouf. C'est des grosses papates. Ouais, ouais. Je suis en train de se nettoyer, hein, les gars, je prenais pas. C'est l'heure du nettoyage. Oh, je cherche la moitié. Oh, c'est trop bien. Mais non, je peux pas te donner à manger. Mais jette pas ça sur la figure. Mais jette pas. Tiens, quoi, non. Il va falloir que tu la manges, j'arrive pas à voir la bouche, non? Non, ça mange des crustacés.
Oui. Bah, c'est des loutres de l'eau. Ça mange ouais, mais du je pensais pas. Bah, le poisson, oui, mais les crustacés. Tu vois, ça. Enfin, ça vit pas en mer, ça. C'est une noix, mais regarde, il a trouvé un coquillage là-bas. Non, mais oh. il va rien te donner. Bébé. Oh, mais c'est rien. Oh, il y a un truc qui la gêne. Il y a un truc qui te gêne, lui. Non, c'est juste qu'elle voudrait manger tranquille. Bon, ça y est, sans doute. Action, action, j'ai un maïko. Hein. Je sais pas si vous allez les voir, mais oh, je les adore. Et attendez, je vous filme ça. Brava, mamie. Allez, je peux descendre. Tu t'en sors? Je vais appuyer la jambe. C'est dans la boîte. Oui, mais je sais pas si on les verra à la GoPro. Il me mentirait avec ce qui est enroulé autour de lui. Donc on est sur l'île Lémurien. Elle fait toute cette superficie. Vous avez encore le chemin derrière. Trop mignon. Ne vous en allez pas. N'ayez pas peur, Guillaume ne mange pas les hommes. Guillaume ne mange pas les hommes. Non mais Guillaume mange les animaux. Je sais, je pensais pas que t'allais te... Désolé Brigitte Bardot. Oh non, n'ayez pas peur les petits. J'avais deux ponchos d'Inde avant. Et encore, tu vois, on parle de manger de viande, je mange que du poulet et du bœuf Gaël. Et de temps en temps du porc. Donc, tu manges de tout, toi? Non, je mange pas d'agneau, de cheval, tout ça. Pour lapin à la moutarde, ah. C'est resté caché à la maison, alors. Pour lapin. Basta! Ah, bleh. Ah, bleh. Mon bacon sur pâte. On le glouglouglou. Thanksgiving. C'est l'autruche, qu'est-ce que c'est que... Mais non, derrière. Ah oui. Parce que moi je voyais que l'autruche. Qu'est-ce qui me sort de Thanksgiving? Comme c'est une flippette, il va aboyer. Parce que ça se croque, mais ça fait pas. Mais ça se croque, mais ça fait pas. Non, 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 mais il aboie, c'est comme ça s'approche, il mord et après il goûte. Enfin, tu sais, genre, il fait. C'était pas un ami. Oh, c'est né il y a pas longtemps, par contre. Tu peux la refaire, Gaël? Oh, il a son petit sur le dos, incroyable. C'était mieux la première fois. T'avais qu'à filmer, mon gars. C'était mieux la toute première quand c'était Gertrude. J'ai pas entendu Gertrude le dire. Non, c'est Jacqueline. On a dit pas Gertrude.
Une dédicace à Jacqueline si elle regarde le vlog. Je lui dis pas, regarde. Elle sait même pas que t'existes. Bah, si elle me connaît. Ils sont où les petits bébés? Ah, je pense que ça va. C'est vraiment un concept de dormir sur l'eau. Mmh, il a senti quelque chose de différent. Je crois que c'est le clignotant de la GoPro qui l'a vu. Oula, il a poussé l'autre, regarde. T'es gentil, tu seras gentil. Bah s'il attaque d'un seul coup sur la vitre, ça va me surprendre. C'est pas toi qui bruit que... Je suis pas rassuré quand même. Hein. Bah tu risques rien, Guillaume. Il est pas en position d'attaque. Ah quand même, regarde. Non, là regarde. Il est en train d'aller voir l'autre. Ça nous a vu. Okay. Non, non, tu es pas obligé de venir, tu sais, tu peux économiser tes forces. Grave. Ouais, mais je pense que là ils sont tranquilles. Coucou. Moi c'est pas eux qui m'inquiètent. Je crois qu'il y a le gros mâle alpha tout là-haut. Où t'as vu le mal à la fin, toi? Derrière le dernier arbre là-haut. Ouh, celui qui est prêt à nous bondir dessus là. Oui. Donc lui, on va passer à côté de lui, on va s'arrêter. Hein. C'est bien parce qu'ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Lui il est bâtard. Lui il te chope dessus que dans le mal. Vas-y. It's time for the debrief. Alors Gaël,
Qu'as-tu pensé du zoo safari de Thoiry? Le safari en lui-même, hiver, donc pas beaucoup de bêtes d'or, mais c'est super intéressant par contre. Moi j'aime bien. Marnie, à toi, je sais qu'il n'a pas un grand amour pour les zoos de base. Ah, c'est Mims. Les loutres, elles sont Mims. Ouais, les loutres. Et les Mgaires aussi. Ouais, mais les loutres first. J'avoue. Franchement, c'est un bon petit zoo. J'ai le droit de mettre de l'autre côté. Je suis bien cadré. Oui. Tu sais que je vais être là? Je vais avec, voilà. C'est un bon petit zoo. On a fait la partie safari de 11h à 11h45. Il conseille 45 minutes, 1 heure. Et nous sommes dans le zoo depuis midi, du coup. Il ferme à 17h. Les heures d'hiver, c'est 11h-17h. Mais franchement, c'est suffisant, c'est bien. Les tarifs, à savoir que si vous réservez au minimum 5 jours avant votre visite, c'est 28€. Et sinon, si vous voulez un billet non daté, c'est 31€. Je sais qu'il y a des offres avec les CE, donc regardez. Mais honnêtement, c'est un prix qui reste raisonnable. Le seul gros point noir d'ici, la restauration. Je pense que là... prévoyez votre sandwich, c'est mieux. Parce qu'il y a les tables à pique-nique. Donc au pire, Ah mais du coup, tu viens en hiver, c'est chiant, tu vois. Parce que manger dans le froid... Ouais, mais ça sera toujours mieux que ce qu'on a mangé. Hein. Mmh. Tu prends un café ou un donut et tu t'installes à la table discrètement. Ouais, de préférence le donut, parce que même l'éclair, elle est congelée. Donc... Ouais. Sinon, on décongèle le micro. C'est un café normal. J'espère que ce soit au moins un peu tiède. Bon, et du coup, on s'arrête ici pour la partie Safari Thoiry. Et on se retrouve dans un autre vlog pour la partie nocturne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la partie nocturne. Déjà, j'ai oublié. Je sais pas. C'est pas Thoiry Lumière Sauvage, je crois. Quelque chose comme ça. On doit être sur un Thoiry Lumière Sauvage ou... Attendez, on va sortir ça. Je sais pas, marqué dessus. Hein. Je crois que c'était marché. Bon, en tout cas, première partie du zoo, c'est fini. On se retrouve tout à l'heure pour la nocturne. Allez, à toutes. Attends, vas-y, je te filme.